Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme, donc c'est Authentic Gamer. Aujourd'hui on se retrouve pour faire donc le 9e challenge. Oui, on est déjà presque au 10e jour, donc soit un tiers du challenge. Donc on se retrouve pour faire le 9e challenge, bah je suppose encore sur Combine, hein. Bah, combien va sortir la map là? Top secrète. Donc le top secret, bah, ça va sortir. Ça va être Combine, je suis prêt à parier ma vie quoi. moi j'aime bien, c'est Aquarium. On va essayer de jouer sur Aquarium. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Shy Gamer. Donc on a eu l'idée, enfin j'ai eu l'idée de proposer un petit 1v1 sniper à Shy Gamer, étant donné que j'ai vu que la vidéo 1v1 contre Nautix avait plutôt bien marché comparé à chacune des autres vidéos. Donc du coup, je pense que ça risque d'être un peu mieux pour vous. Ça fait un petit peu de changement parce que c'est vrai que la domination à la fin, on en a marre. J'espère vraiment que, parce que là je vous assure que j'ai fait aucune partie encore aujourd'hui, ça va être ma première game, parce que j'ai vraiment pas beaucoup le temps, parce que ce matin j'ai eu beaucoup de trucs à faire, et cet après-midi c'était le boulot, et demain matin je travaille, enfin ce matin j'ai travaillé aussi. Demain matin j'ai rendez-vous, et puis demain après-midi je travaille, donc on est jeudi évidemment. Et donc en fait oui, enfin on est jeudi soir actuellement, donc ça va être, il est 18h. 18h18, ça va être posté sur le coup de 20h, je pense, 20h30. Hop, bon, c'est parti. Oh, elle est bien la map là, j'aime bien. Donc, j'avoue, j'avais essayé la Manowar, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Oh, migration d'autres, ça m'aurait étonné. Ça m'aurait étonné encore en plus. Et franchement, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai osé lancer le rec avant le début de la partie. C'est ça. J'ai trouvé le truc. En fait, Call of Duty Black Ops 3 disent non, il est Authentic Gamer, il fait un raid tout en live. Bon, allez, on va le faire chier un petit peu, on fait une petite migration d'hôte et quoi. Non, franchement, j'espère vraiment qu'on va trouver un hôte et vite parce que sinon, ça risque de me rechauffer l'esprit. Hein, bah, comme je suis vraiment navré pour la 8ème, hein, 8ème challenge, j'étais bien vénère. Mais bon, enfin, on peut pas être tous les jours être en forme. Et j'ai remarqué que, au fait, les challenges, je pensais quand même avoir un peu plus de vues. Un peu plus de vues dans le sens où il y en a certaines. Enfin, comment vous dire? Certaines vidéos du challenge atteignent 80 vues et d'autres dépassent pas les 30. Donc c'est assez hallucinant. Sur 5000 quand même, enfin, presque 5000. J'ai peine à croire que vous êtes. J'ai peine à croire que j'ai 5000 abonnés quand je vois ça, quoi. Mais bon, ça fait rien. J'essaie de reconstruire une communauté. Donc, vous qui me regardez déjà, je dois vous remercier. C'est déjà super bien. Vous qui m'écoutez. Mais bon. Oh, excellent. On a trouvé quelqu'un. Oula, regardez mon sixième sens, il s'est activé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quoi? Ok. Donc fin de la partie, donc j'espère que cette vidéo vous aurait plu. Je ne comprends rien. Ah, il pète un câble. Et franchement là ça a vraiment pété un câble le truc. Bon, on va quitter, on va relancer. On va essayer de faire un bonus, tiens, pour changer un peu. Non. Ouais, domination. Une petite EC, ouais. Allez, on se lance une petite EC. Ça va changer un peu et puis je vais jouer différemment, puis ça va peut-être mieux me réussir dans le sens où parce que la domination c'est casse-couille à la fin. Quand je vous dis que c'est casse-couille, c'est vraiment. C'est mon mode de cœur en fait. J'aime bien le système des drapeaux, des 100 points. Même la mi-temps et tout, c'est agréable dans le sens où quand t'as plus de balles ou quoi que ce soit. Et puis d'ailleurs en parlant de ça, l'élimination confirmée, je ne sais pas du tout à combien de points elle s'arrête. Et. Après une fois donc j'hésite à faire donc soit dans le challenge ou une fois mon challenge terminé ou faire chaque mode de jeu sur Black Ops 3. Mais quand je dis chaque, c'est tous les modes. Mais sur PS3 voyons, c'est différent. Je reçois beaucoup de commentaires également en me disant que la PS3 ça pique les yeux, change de console, tu vois les trucs comme ça. Igoni, je crois que c'est toi qui m'as dit la PS3 ça pique les yeux. Non mais je te l'assure, sur mon écran TV ça pique pas tant que ça, hein, mais c'est sur YouTube, je sais pas pourquoi ça fait dégueulasse. Pourtant j'ai un AVR Media. Après c'est peut-être un système de réglage. D'abord j'ai dû mettre ma télé en zoom 2, puis je trafique un petit peu l'image sur Vegas. Je raccourcis la hauteur et j'agrandis la largeur. Je raccourcis la hauteur parce qu'elle est trop. Il y a des bandes noires. Donc non, je fais l'inverse. J'étire la vidéo en fait. Il y a des bandes noires mais partout. Quand je vous dis partout, c'est vraiment partout.
Au fait, là, genre, sur mon écran, là, je vois que Eli Conf. Ouais, je crois que c'est ça. C'est Eli mais Conf. Et ça, je vois pas entièrement parce que je suis en zoom 2. Parce que sinon, je joue avec des barres noires. Et ça, c'est vraiment horrible. Et je sais que c'est vraiment très désagréable également à regarder. Alors, je fais une petite modif sur Vegas. Oh, bah, combine, ça m'aurait étonné ça. On va essayer de tuer cette arme sur combine. Ouais, ça va. Et donc, du coup, je pense que. Même vis-à-vis de vous, ça doit être casse-couille de regarder des bandes noires sur YouTube. Et donc, du coup, bah, je modifie un petit peu l'image. Et c'est peut-être ça qui fait en sorte que c'est si dégueulasse à voir. Parce que même moi, personnellement, c'est pas. Oui, c'est dégueulasse. Mais c'est pas ce qu'on. Pas au point de ce que je vois sur YouTube. Même par rapport à moi-même. Hein, je parle pas de d'autres YouTubeurs. Je parle de moi. Franchement, les gars, quand je me regarde jouer, et ben, je vois vraiment que ça. À la fin, ça fait mal aux yeux et tout. Qui est parti là-bas. Donc il s'est trompé de spawn certainement. Oula. C'est genre un petit truc comme ça en fait. Là je sais que ça vous pique les yeux parce que là il y a une petite instance de lag tout. Mais bon. Bon on va essayer de jouer un petit peu avec la Manowar. Donc on va vite voir ce que ça donne. Bon là on va dire que j'avais pas de shoot. Hein. J'ai quand même réussi à faire mon élimination. Bon, on va essayer d'aller ici, mais je pense pas que je vais rester en vie. Merde, ça a changé de spawn peut-être. Ouais. Ouais, bon, ça fait rien. Bon, 2-2. Bon, ouais, j'aime bien la Manowar. Enfin, j'aime bien faire quelques petites innovations. En tout cas, j'ai toujours pas joué dans cette. Depuis que je joue à Call of Black Ops 3, quoi. Arrête. Bon. Bref, on va faire. Donc les gars, on va faire croire que vous avez pas vu ce que vous venez juste de voir, hein, s'il vous plaît. Vous en parlez pas dans les commentaires également, s'il vous plaît. Hein. Vous serez très gentil comme ça. On va prendre ça. Ça va être un peu plus puissant en face à face. Oula, j'aurais peut-être pas dû. J'aurais peut-être pas dû prendre ce chemin-là. Bon bref. On est dernier, c'est cool. Putain, j'hallucine. Oh putain. Ok, bon je pense que je vais prendre une arme plus adaptée à la map, étant donné que c'est tout le temps cette map-là qui sort dans tous les modes de jeu. Et bah je pense que la Pharo va vite devenir un peu ma meilleure amie. Bah ouais, j'ai pas le choix, attendez, regardez, j'ai envie de regarder, il m'a déjà tué trois fois. Ah oui, lui, il a la KF5, je me rappelle plus du truc. Je me rappelle plus du nom. C'était la... La K, ouais, je crois que c'est K5. Non, c'est pas ce nom-là. CK5, FFK5. Bon, bref. Ça y est, elle sort, la map, enfin, l'arme-là, elle sort dans tous les Call of. Il y a un pompe derrière, je crois. Non, c'est bon. Personne ne se présente, bon. Ouais, tout ça parce que j'avais envie de prendre la médaille. Bon, allez. On va essayer de jouer, vous proposer quelque chose d'un peu mieux. D'abord, je vais essayer de pas m'énerver. J'ai remarqué que lorsque je m'énerve, et ben c'est très désagréable à m'écouter. Encore plus à me regarder jouer. Toute façon, c'est comme tout. Quand on s'énerve, les gars, c'est pas. C'est jamais bon. Que ce soit dans la vie réelle, dans la vie virtuelle ou sur Call of, par exemple, on perd beaucoup plus facilement nos moyens. Mais bon, il y a des moments, il y a de quoi s'énerver. Ça, enfin, je comprends très bien la preuve parce que même moi, je m'énerve. Il y a vraiment de quoi s'énerver, surtout sur PS3. Regardez bien ça, c'est genre ça quand t'anticipes et puis que, je sais pas, il y a des lags de connexion et tout. Franchement, il y a vraiment de quoi s'énerver. Mais il y a pas un point où tu pètes tout, quoi. Je me suis jamais énervé au point de péter ma télévision. Enfin, du moins, pas encore. Je sais pas ce que l'avenir me préserve, mais bon. C'est de l'autre côté maintenant. Là, tu vois un truc comme ça, j'aurais pu l'avoir, mais il y avait la grenade, il y avait deux types et tout. Bon, le mec là, je crois qu'il m'a tué 6 fois et j'ai dû le tuer, bah, en 0 fois, je crois. Putain, merde, là c'est chaud, mon pote. Ah, prends ma grenade.
Ah l'enfoiré! Ou l'enculé comme il m'a cramé comme si j'étais un moins que rien. Viens la petite merguez. Allez, on va y retourner, même si je sais bien que c'est pas mon jeu pour la faro. Non, je me suis trompé de bouton. Non, j'ai fait L1 et R1. Oh, elle est dégueulasse. Et encore en plus, ça m'a enlevé mon truc là. Ça a enlevé mon spécial. Grand type. Putain, franchement, les gars, je me trompe de touche, mais c'est horrible. Je comprends pas. En fait, le truc c'est que. Attends, je vais regarder. Oui, lui, Mathieu, c'est toi. Ouais, mais ça saccade pour tout le monde. Je sais pas trop si c'est ma connexion personnelle qui saccade. Parce que je sais qu'en ce moment, Orange, ça a vraiment des problèmes. Je sais pas à vous. Comme pensez-vous, honnêtement. Enfin, je me prends pas pour. Tu vois, là, je me prends pour le dernier d'équipe. Mais une cible immobile. Pensez-vous vraiment que j'aurais autant merdé pour la tuer que ça? Quand je dis une cible immobile, bah vous avez bien vu qu'elle était immobile la cible. Mais ça s'est apporté tout le monde. Mais là, je suis vraiment désolé, les gars, mais j'ai franchement j'ai une grave excuse. C'est parce que le mec, il a une meilleure, vachement meilleure coque que moi. Mais quand je dis meilleur, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Pensez-vous, regardez bien. Je sais pas trop si vous avez vu. Quand on voit ça, pensez-vous, regardez, l'Arc6D, il passe tranquille. Le mec, il arrive, il a moins de lag de connexion que moi. Moi, je le vois se téléporter limite devant moi. Je suis déjà mort alors que j'ai même pas encore vu le type. Je faisais qu'anticiper. Regardez la feinte que je lui ai mis, je suis désolé, mais tout le monde tombe dans ce genre de feinte. C'est vraiment énervant en fait, le truc. Ça devient dégueulasse à jouer. Allez, recharge. J'ai pas le temps là, faut vraiment que j'arrive à proposer quelque chose de concret pour une fois à moi, à mes abonnés. Bon, toi t'es gueule, putain merde, le con, je gaspille ça pour rien. Bon. Je m'en doutais qu'il y avait quelqu'un en Igditch ici. Il y en a tout le temps. Hein. Ils sont où? Donc là, faut trouver le spawn. Donc pour moi, il est parti à gauche, le type. Merde, bah non, en fait, non. Attends, c'est premier arrivé à combien là? Ça a l'air d'être premier arrivé à 80. Non? 100? 100, ouais, 100. Et haute. Il prend pas ses balles, vous êtes bien d'accord les gars? Et franchement, la vie de ma mère, prenez pause, regardez tout ce que vous voulez. Et regardez tout ce que vous voulez, il a pas pris ses balles. Vous pouvez faire ce que vous voulez, je suis sûr à 200% qu'il a pas pris ses balles. Alors là, franchement, quand je dis vraiment pas pris, c'est vraiment pire que ça. Je comprends pas, vas-y, mais je comprends pas. Mais les gars, ils sont devins quoi. Putain, le mec, attends, je respawn, il tire une grenade la base. Ah putain, c'était trop beau pour être vrai. Bon, ça, enfin, j'ai réussi à vous proposer. Enfin, non, franchement, je vous propose que de la merde. Ça me déçoit, les gars. Je suis déçu de moi-même, au fait. Vous êtes bien d'accord que le type d'avant, là, il a vraiment pas pris ses balles. Mais quand j'ai pas pris, c'est vraiment pas pris. Merde, j'aurais dû regarder à gauche. Je savais qu'il y avait un gars à gauche et je pensais que c'était le mec qui avait essayé de me contourner. Ça fait un total de 55
55 éliminations et mort tué quoi, en gros 23-22. J'ose pas trop faire un bon score, mais bon, je me suis bien rattrapé entre guillemets à la fin, mais je sais pas, mais c'est assez difficile. Actuellement, c'est assez difficile de vous proposer quelque chose de concret. Je suis vraiment navré, les gars. Bah, en tout cas, c'est un challenge, et qui dit challenge dit vidéo tous les jours, comme je vous ai dit. J'ai qu'une seule parole et que je vous propose tout le temps ma première vidéo par jour. Je suis pas là pour dire ouais, blablabla. Là, j'ai aucune excuse, hein, hormis quelques lags de connexion. Mais bon, bah, en même temps, le gars en prestige rouge, il avait vraiment l'air très fort. Donc n'hésite pas à lâcher un j'aime ou un dislike si t'as, en fonction du gameplay, comment tu l'as vécu et tout, avec aussi ce que je t'ai dit. Commente la vidéo et abonne-toi à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Allez, ciao ciao les gars, allez à demain. Peace.